Et salut internautes, bienvenue dans cet nouvel épisode de notre voyage norvégien. Aujourd'hui on a quitté Oslo, on se dirige vers l'ouest et le premier stop c'est cette église qui est juste derrière moi que je vais pouvoir te montrer. Le nom est un peu barbare alors je vais quand même essayer de le prononcer parce que ça vaut le coup. Donc c'est l'église de Starkivkede Hedal. Voilà, donc derrière moi l'église de Starkivkede Hedal. C'est une église qui est toute en bois, faite sur une architecture vraiment intéressante et je t'invite à aller voir avec moi la suite de ce monument. C'est parti. Troisième étape de notre petit voyage, on s'est arrêté à Bredon où le village est assez exceptionnel, il est enclavé entre deux vallées, ils ont très peu de lumière et donc ils ont mis en place un système de réflecteurs, de miroirs qui renvoie donc la lumière prise sur le flanc de montagne dans la vallée. On vient de faire un truc de dingue, on a découvert ça, un train qui passe au travers la montagne, une ancienne exploitation industrielle qui nous a emmené à quasi 2000 mètres d'altitude. Les paysages sont juste magnifiques, je te remettrai le nom en description, c'est un nom imprononçable, mais en tout cas ce que c'est beau, ça vaut vraiment le coup d'œil. Si t'es dans le coin, sur la route de Bergen, franchement, ça vaut le coup de s'arrêter. À 2000 mètres, on sent que l'oxygène commence à se faire un petit peu rare, mais on s'adapte.